Hey, salut à tous, c'est Adrien, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Muramasa The Demon Blade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se dirige vers la province de Yamashiro. Et il faut que je passe par les enfers. Par la zone du Kyoto Rikudi, trop de sa voyelle. Voilà. J'espère que vous allez bien, je crois que c'est épisode 6 si je dis pas de la merde. Et je me pose une question. 34-36. Oh, 41-44. Où cela? De chez Chui. Oula, attendez. Est-ce que j'ai eu celui à gauche? Ah non. J'ai eu l'espoir à un moment que. C'était bien celui dont je pensais. C'est peut-être le sable de l'autre personnage, donc ça se peut que je l'aurai jamais. Ah, du coup j'ai gagné un niveau. Ouais. Clank. 36-39. Du coup je peux changer mon nouveau mon sabre long, qui appelle ça 135 de puissance. Je peux rien forger là. Mardi 9 Soul, très bien. Donc on va casser la gueule à des méchants grâce à mon super pendentif de la mort pour forger un nouveau sabre de la mort, bien entendu. Et à mettre plein les dents. J'ai pas de rencontre aléatoire, s'il vous plaît. Merci. Oula, calmez-vous. J'ai passé vraiment un sale putain de quart d'heure, moi. Un vraiment sale putain de quart d'heure. 39-41, arg. Voilà, je commence à entendre, on avait vraiment des gros sabres là. Je peux pas me faire un truc à bouffer moi. Non, cuisine. Très bien. YOLO strat comme on dit. On brise le kekai bleu. Clank. Il va falloir que je fasse attention quand même parce que je commence à être un peu. Oh cool, j'ai déjà la map. Je commence à être un peu short là. Bref. Je commence à être un peu short, Vlang, vous êtes mort. Bon, moi il me remonte toute ma vie. Hop là. J'essaie de faire des trucs stylés, mais le jeu veut pas trop. Quoi? Tu veux dire, j'ai été touché sur la fin de la frame, quoi? Merci. Hop là. Père Simon. What is this? 600. Oh, pas mal. Ça va la moitié de ma vie, quoi. Là, voyons un kekai blanc, je peux le briser donc. Maintenant que j'y pense, j'ai pas fait la zone dangereuse.
ça vaudrait pas le coup que je fasse demi-tour. C'est une bonne question. Hop là, petit jungle. Attendez, est-ce que... Ça fait un peu loin maintenant, c'est ça? J'étais là. Je sais même plus où était la zone. Bien joué, moi. Faudra que j'essaie d'y aller à ce truc. Je suis sûr que ça me fera plein d'XP ou de donner un super objet de la mort. What? Je suis vraiment en train de voir ce que je suis en train de voir là. Faut 2400 âmes, j'en ai 500. Très bien. J'ai pas ça encore. Non. Je vois jamais. Tengu. Ceux qui causent la panique dans notre montagne, on y met, laisse-moi rire. What? Ah. Une source chaude. Une source chaude, parfait. Plouf. Oh! Bonjour! Qui es-tu? C'est pas le plus d'être ici. Kisuke? Ah ah, exactement. Oui, d'accord, très bien. C'est donc l'autre personnage. Voilà, et on le croise dans un bain chaud. Tout va bien. D'ailleurs, bain chaud à côté de l'hôtel de sauvegarde, c'est bête quand même. Merde. Comme tu demandais, les actes de Shikami ont été rapportés au bureau du commissaire. Oh, moi, moi, moi. Ah, elle est jalouse. Elle est jalouse. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que... Il y a comme une espèce de relation amoureuse qui est en train de naître. Excusez-moi pour le contre-temps. C'est marrant parce que la famille, hein, vous avez beau l'avertir, vous êtes en train d'enregistrer, ils s'en battent les couilles. Ils en ont rien à foutre. Et après, ils s'étonnent que je gueule. Genre, c'est bon. Deux à trois fois par jour, je leur demande de juste pas venir m'emmerder. Ah, il est quand même m'emmerder. Putain. Bref. Allons-y, des démons. C'est bon où le flash est parti d'avant là? T'es un peu lent à taper quand même. Bref. Hop. Pas d'objet ici, parfait. Si. Je comprends plus rien ce qui se passe à l'action, c'est pas grave. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est que je suis en train de les défoncer. Et que je viens de perdre mon sabre. Et que je les ai tués en contrepartie. On va arriver à la zone suivante déjà.
Le Yamashiro, c'est pas par là que je dois aller, moi? Yeah. Donc je suis bientôt proche, c'est ça? Voilà. Un train d'enfer par le Kyoto Rikudo Katsuji. Je vais restaurer mon sabre. What? Mais l'autre elle est morte? Quoi? Elle est morte? Ah d'accord, faut que j'aille en bas. On va partir à gauche. Et je les aime pas ces moines. Ah mais elle fait drain de vie quand même. Je gagne que un point de vie par coup mais sympathique. Niveau sup, génial. Niveau 26. Merde, je peux encore voir. Je voudrais juste voir à combien de... 39-41. C'est pas pile ce qu'il me faut. Si, alors c'est un 39. 99-98. Attends, tu deviens faible, mon pauvre. Et du coup, j'ai une puissance plus 2. Il me faut combien? 41. Non, not yet. J'ai l'impression que si je suis à l'air, elle vient pas m'agresser. Alors que si je suis à terre, elle peut venir me. Gentiment me foutre. Vous savez, faire le rush là qui fait des dégâts. Et moi, mon nouveau sabre, c'est Crâne 2. Bon, je le teste. Quand même. C'est bien, je me fais de l'XP là. En train de level up comme un sac. Salut. Pire que les fantômes. Que Manjiu. Hein? Je crois qu'il parlait de bouffe là. Oui, meow. J'ai un point de sauvegarde ici. Très bien. Oh là, ici ça m'a l'air grand. Oh, je l'avais pas vu. Et petit. Jeune moine, tu as vu le Osho? Je suis Ikkyu. Voilà de piéger le Osho. Oh. Qui c'est le Osho? Miaou. Salut. T'es un marchand toi? Un camelot. Le fidèle maxi reste le même et plus 10%. Plus 5 de puissance physique. Sa maman. Attendez. Sac de riz et du yam. Est-ce que tu vends ça, toi? Sac du riz et yam. Voilà, je suis pauvre, mais je peux faire plein de bouffe. Par contre, ce que j'ai pas fait attention, c'est est-ce que c'est un... J'ai l'impression que c'est un truc à consommer, pas... Bonjour. Osho. Bon, je vois que tu regardes ma théière. J'ai bien peur que tu arrives trop tard. Je viens de l'acheter, je viens faire du thé. Oula, ils veulent le piéger lui. Mais qui veut le piéger? Oui, merde. Alors, regardez la carte parce que là, ça fait un peu grand. Et là, il y a un kekai violet juste en dessous. Là, il y a un kekai bleu. Les kekai bleus, je peux les casser.
puis ça m'a l'air de rejoindre là où j'ai... Oh, je peux passer par en bas et rejoindre là où je veux aller. N'est-il pas beau ça? Ah, un crâne. C'est un crâne. C'est quoi, c'est une aura? Ouais, ça a l'air d'être... tous tués là. Ok. Il me semblait qu'ils étaient plus dangereux ceux-là. Oh la grosse âme. Qu'est-ce que j'aime ça les grosses âmes moi. Donc on va se mettre d'accord. Je ne peux pas aller à Yamato. Petit test. Ouais, elle m'a envoyé chier. Je ne peux pas me rendre à Yamato. Eh bien, très bien. On va donc aller en enfer, c'est plus drôle. Ça a l'air cool quand même le crâne là. Ça a l'air de bien les faire chier. Il est mort ? Non. Là il est mort. Très bien, on va descendre. Le cake est bleu, je peux le casser. Oui. À moins que je ne puisse pas casser les cakes bleus foncés. Je vais me faire niquer, je le sens. Ouais. Je peux casser les barrières bleu clair. Du coup, ouais, je peux rejoindre là-bas. Et il y a une barrière rouge. Une barrière rouge, je peux le faire, ça. Oui, c'est le premier que j'ai débloqué, même. Changer de ça, parce qu'avant de faire de la merde. Fuck, c'est un fail. Je vais bientôt passer niveau 27. Qu'est-ce qu'il y a là? Hop. C'est bien, je vais bientôt passer niveau 27. Je vais encore être à under level pour le boss, je sens. Manuel du maître, qu'est-ce que c'est? Oh, augmente l'XP et augmente. Ok, donc soit je gagne plus d'âme, soit je gagne plus d'XP. On va faire l'XP pour l'instant. Ok, le néant. Parce que je pense que je suis un peu en retard de niveau là actuellement. Donc je pense sincèrement que ça vaudrait le coup de gagner 5% d'XP en plus. Ah, il faut augmenter. Pas grave. Je vais bien. Y'a rien? Ah si, quand même. Je crois que j'allais rien trouver du tout, quoi. Oula, je sais pas s'il m'a protégé, mais en tout cas ça m'a protégé. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on les voit quand même, les 5% d'XP. Ouf, pas mal. Donc là, si je descends, je vais à l'objectif. Attendez. Ouais, je peux y aller par là, mais j'ai envie d'y aller par là-bas. Parce que là, il y a un... Voilà, déjà, il y a un fast travel, j'ai l'impression. Maintenant, tofu. D'accord, il me vend que du tofu. Très bien. Neuf ou plus.
Quoi? Ça, c'est l'incarnation de Ninja des Ombres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout? Ah! Oh mon sabre! C'est sûr, j'ai envoyé trop de trucs là. Ah, j'ai l'impression qu'il aspire de la vie lui aussi. Génial! Là aussi je vais me faire niquer, j'ai envoyé tellement de sabres que... Oula. Oh sa mère. En fait il faut savoir faire une bonne utilisation du pouvoir spécial tout en essayant, parce que comme le pouvoir spécial qui fait la garde, tout ce qui fait, c'est toute la finesse du jeu. Bon, faut réussir à gérer les deux. Ah, j'ai même pas gagné d'XP par contre. Ok. Donc ça les défis. Ok. C'est pas ultra compliqué non plus quoi. Je la fais là. Ok. Encore. C'est un peu le bordel quand même. Un peu beaucoup le bordel même. Pour que ça, finalement, pour un truc de niveau 9, ça me ramène pas mal d'XP. Oh là là, ils sont pris un vieux combo dégueulasse. Encore. La vie remonte vite finalement. Avec toutes ces histoires d'absorption de vie là. La glouton. En fait c'est sympathique hein. C'est du gros bashing de mob. Enfin pour celui-là en tout cas. Ah ok. Très bien. Bon ça, finalement ça m'a fait quasiment un demi-niveau là. Pas trop mal. On aurait pu s'attendre à plus mais.
Alors eux, si j'ai bien compris, faut surtout pas sauter. C'est de la pire idée qu'on peut avoir. C'est des tuyaux du fourrage. Alors où est l'objet? Là. Parfait. Amble. Et là il y a une source chaude, c'est ça? Alors, chose intéressante, est-ce qu'on va avoir les mêmes sources chaudes partout? Ok, ouais, il y a un seul design pour une source chaude et on peut y rencontrer du monde. Ah, comment on se retrouve? Que tu vois même ce que mon seigneur n'a pas vu. Tu me suis ou quoi? Faut te taire comme ce singe. Débarre. Ça fait deux fois que tu me vois à poil, même monseigneur ne m'a jamais vu nu. Enfin, elle est pas nue, elle a une serviette, merde. Bon, on devait parler de son cul, mais... Puis c'est rigolo parce que c'est pas Jinkuro qui parle pendant ces phases, c'est bien Momohime, quoi. Y'a personne, ça y est, je les ai tous calmés. Bon, il faudrait un petit combat aléatoire là, que je passe niveau 28. Ce serait gentil. Ah, merci. Il suffisait de demander, c'est ça? Hop, le sup. Clank. Hop, souvent les âmes ne sont pas en dessous, donc on va en profiter. Hop, petit tour à la forge. J'ai 4000... Dame, tout va bien. Tout va bien. M'en fous, je le forge quand même. Voilà, là on commence à taper dans le gros sabre quand même. Est-ce que je peux en forger un autre? Ça, je peux pas... J'ai l'impression que je puisse pour l'instant. En fait, il faudrait faire Kisuke et Momohime en parallèle pour voir certains, pour débloquer certains sabres. Wouah, il est broken ce sabre. Il me donne plus 3 en puissance et en vita. En gros, j'ai pu les taper sur ce sabre alors que normalement, j'y ai pas accès. 135, je peux taper 139. Merde. Putain, mais t'es sérieux? J'avais pas un gros truc de la mort là? Je peux forger un sabre que je pouvais jamais pas du tout porter quoi. Finalement, si. Oh là là, je comprends plus rien. Là, j'ai manqué un épisode. 50 de puissance, c'est pas encore ça, 50 de vitalité non plus, mais bientôt. Le long S là, bientôt. Oula. Bon voilà, combat easy. Easy XP. Masque Shura, voir ce que c'est. Augmente la capacité physique, plus 3, plus 3. Ah, j'ai pas assez d'âme, merde. Ah, oh, il faudrait que je fasse des combats aléatoires avant de... Non mais des vrais combats. Alors attendez. Ah merde, j'aurais dû mettre le truc pour avoir plus d'âme. Oula, sa mère. En fait, il m'aurait fallu avoir plus d'âme. J'ai envie de l'équiper. Hop, on va équiper ça pour gagner plus d'âme. Et là, il faudrait en fait que je farme des combats aléatoires. Sinon, je vais pas pouvoir l'équiper pour le boss.
À moins que ce soit pas du tout le boss encore. Donc là, je ne fasse que briser. Un vieux kekai. Oui, je pense qu'en fait, j'ai pas encore le boss. Ouais, là, je vais qu'un enfer. Ok. Wow, 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 ouais, ouais, je vais vraiment un enfer. Totsaku, les 8 enfers. Très bien. Oh, il veut l'objet ici. Balsoge. Très jolie musique. Ah ouais, on est vraiment en enfer là. Alors qu'est-ce que fait la guêpe dorée? Oh lol. J'ai une partie de mon truc qui fait le oh là oh là oh là. Pendant que... J'étais sûr. What? Il m'a défoncé mon sabre. Il fait quoi? Univers. Attendez, je vais réessayer. Univers. Ok, c'est un dash. Très bien. Oula, lui il est encore plus gros. Oula, lui il a une grosse massue lui. Oula, 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 qu'est-ce qu'il a fait? On va prendre la guêpe dorée. Ombrée, pardon. C'est vachement joli ça. On attaque, tac, tac, tac. Bon, le problème c'est qu'il faut que j'ai la place pour passer derrière en fait. Le problème c'est que je vois pas du tout, j'ai un champ élastique comme si attaque, je suis niqué. Ouais, là, là. Là, heureusement que j'ai des yeux quoi. J'ai ma guêpe à fond. Faudrait qu'il vienne un peu, viens par là. Non, non. Alors, j'ai réussi à le caser quand même, mais... C'était pas très optimal, on va dire. Oh non. J'ai horreur de ces petites merdes. En fait, une fois qu'elles ont l'animation d'attaque lancée, elles s'arrêtent plus. Voilà, donc c'est assez horrible. On va dire insupportable. Hop. Ouf, je l'ai pas vu. Putain. Vraiment le mec aveugle. Là, on va voir. Là, j'ai la ceinture, Shura. Plus 5 de vitalité. Là, normalement, je devrais avoir assez. Attendez. Quoi? 52, 56, j'ai pas assez. Faut... Sérieusement, quoi? Sûr que j'ai assez. L'orbe solaire. Très bien. Du coup, j'ai un méga sabre long. Oula, 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 la mienne change un peu d'un coup. On va qu'on s'approche un peu plus dans les enfers. Oh putain. Oh sa mère. Alors, ils ont tous un dash. Oh, l'orbe solaire, ça fait.
automatique. Ils ont tous cette attaque aussi. Cette attaque qui fait que qui casse absolument tous mes sabres. Manqué. Oula, attendez, attendez, je crois que j'ai réussi à faire un multidash ou j'ai halluciné. Ah non, j'ai halluciné. J'ai dû rêver. Oula, c'est peut-être par là qu'il faut que j'aille en fait, donc j'aimerais explorer un peu les enfers. Il y a systématiquement une grosse bestiole. C'est quand même, ça peut être quand même assez violent ce truc. Oh putain, heureusement je l'ai pas gardé ça. Sinon j'aurais encore perdu mon sabre. Putain. Ils sont méga coriaces là. Je vais crever moi. Il y a beaucoup d'XP aussi. Cuisine. Ah ouais, ce que je pense. C'est un truc qui se consomme. Voilà, c'est pas genre. Un truc à bouffer pendant le combat, c'est un truc à bouffer hors combat. Bon, c'est pas plus mal, hein. En tout cas, ils sont vraiment bien faits les Oni d'un jeu. Là, je vais peut-être essayer une orbe solaire vu qu'il est coincé dans le coin. Là, mais voir. Là, il va être obligé de prendre les coups, quoi. Donc, au final, il a pas pris tant de coups que ça. Wow. Fait un joli combo là, pour une fois. Oh, la petite âme qu'il m'a donné quoi. La chaîne est colossale, petite âme. Non mais génial ce daf par contre. Hop, niveau sup et tout, niveau 30, blablabla. Waouh, en taille 3. Waouh. Chichoui. Ah, je passais. 52 plus 6, 58. Oh. Ouais, de toute façon, c'est lui qui me donne plus 3, plus 3. Donc, si je l'équipe, je serai forcément niqué. Si je change d'équipement, plutôt, je serai forcément niqué. Ça par contre une attaque de mec c'est
priceless quoi. Genre le mec il lance l'animation d'attaque donc du coup vous voyez hop là il peut plus bouger. Son spray était bloqué. Du coup je peux le bourriner comme un chacal. Hop là. Ouais je peux vraiment les brûler comme des chacos quand ils sont dans le coin comme ça. Et pendant une... En fait l'orbe solaire faut l'utiliser pendant pendant qu'il y a une animation d'attaque parce qu'il peut plus s'arrêter en fait quand il a commencé son animation d'attaque. Donc du coup je suis totalement gratuit. Enfin il est totalement gratuit. Parce que j'ai pas l'impression que je le touche. Flug. Hop là, boum. Là, je crois qu'il commence l'animation. Ah non, raté. J'ai réussi à le déplacer sur l'écran quoi, genre normal. Le mec j'ai décidé que tu ferais tout ce terrain. D'accord. Et putain. Le cheval, ça c'est génial. Dégage à l'autre bout de l'écran. Oh putain merde. C'était pas prévu au planning. C'est ça le souci de les avoir dans le coin quoi, c'est... Clairement quand ils sont dans le coin je peux absolument pas voir ce qu'ils préparent. Je l'ai pris sur la fin. Là aussi, je l'ai pris sur la fin. J'ai plus que ce sabre. Il m'a touché alors que j'étais derrière lui. Oh putain, j'ai plus de sabre. C'est mal quand même pour un sabre abîmé quoi. J'ai le sabre complètement défoncé. C'est pas grave, je continue à se déchirer la tête avec. Tout va bien. Très bien, combat de boss, je sais pas si ça va être un combat de boss horrible vu qu'on va se battre contre sûrement un démon gigantesque. Je me prépare mentalement. Ah, どうしたらいいのやら. Jigoku no amari no osoroshita ni tamashii no mama de irarezu. 体に潜り込んだのが運の尽き。
押し出された人狼の魂が大鬼に見つかって、あっという間に食べられてしまった。 わらわ一人では来た道を戻るのは無理というもの。いつまでも隠れて泣いていても仕方がない。ジンクロの魂が食べられたのもわらわの臆病がもとなら、悪人とて放っておかれようか。 Elle est trop chou leur voix. Ils sont une voix trop mignonne. Oh sa mère. Ils sont excellents de leur voix. Mais lol. Alors bonjour. Je suis le grand Onigiri de cet endroit. N'empêche, ça a l'air tranquille chez eux, genre. Ils ont la. Ouais, bah, c'est bouffé. Bref. Les mecs, ils ont pas l'air d'être trop choqués de voir un humain là, quoi. Tu veux dire que je dois te manger? Excusez-moi, pardon, je voudrais continuer. Merci. Si te mâche, t'es morte. Best strat ever. Là. Ah, j'ai des brûlures d'estomac, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu avais l'air si innocent dehors. Je te fracasse la tête, moi je m'en bats les couilles. Je m'occupe des petits en fait. Parce que. Ah, je peux monter sur sa tête. Il est trop gros pour être poussé, donc si je cale bien mon orbe, ça devrait le faire. Cache-toi derrière la pierre. Quelle pierre?
En fait, c'est plutôt facile ce combat de boss. Est-ce que c'est pas sur ce... Il est teubé en fait. Est-ce qu'il peut me bouffer? Attendez. J'aimerais savoir si... Oh putain, il avait pas l'air sympathique. Oh oh. Je l'ai dit, en fait il ne fait pas rien ce boss. Oula, oula, oula. Wow. Wow. Il m'a one shot. En fait il n'est pas du tout inoffensif, je n'ai rien dit. Au début il a l'air inoffensif et tout mais... En fait je me demande si je peux pas rater dans son estomac pour le tuer plus vite. Genre des moments j'ai l'impression qu'il fait une espèce de chope. Alors cache-toi derrière la pierre, laquelle? Aïe. Aou, 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 aaaah. D'accord, s'il me chope je prends vraiment un tarif. Que... Oh oh. Alors on va sagement... Éviter de se faire remarquer pendant quelques instants. Oh, aïe, aïe sa mère. J'ai rien dit. Encore? Encore? Oh mais putain! Parce que les démons ils ont l'air d'être habitués parce qu'ils se cassent vite. D'accord, en fait c'est comme un jeu d'infiltration. Et quand je suis sur tête, il me capte pas, d'accord. Merde, merde, merde. Foutez-moi la paix, mon sang. Alors.
sûr, j'ai rien pour me cacher. Je sais même pas où il est. Je tue ? Il m'a pas vu ? La 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 la. En fait, c'est un combat qui est long parce que. Bon, là, il a l'air de bugger un peu. Il a un. Qu'est-ce qui m'arrive? Ah, là par exemple, je pense que j'aurais pu rentrer dans son bide. Là par contre, je pense que je peux pas du tout rentrer dans son bide. C'est qu'ils me font chier. Pourquoi leur prendre du spawn en fait? Il n'y a pas l'air très content quand. Enfin, j'imagine pas ce qu'ils vivent, les petits là. Salut. Hop. Ça c'est un peu à moitié faire quand même. Ah là oui. Voilà. Je me suis fait avaler. Voilà. Ah du coup il reste un PV. Et si on s'en allait? Il m'a vu. Ouh là là, j'ai peur. C'est moi qui est quand même un peu bête. Sa mère, sa mère, sa mère, sa mère. Oh merde, il m'a vu. Ah
J'ai peut-être presque tué là. Allez, yes. En fait, c'est un combat très long parce que le machin il peut nous one-shot quand il veut. Il vous suit, ouais. Onikiri. Les barrières bleues. Très bien. Ok, désolé, c'était un peu long, mais je voulais éviter de mourir comme une merde. Que le grand Oni a pris un Naokami. Ce fameux Kuromitsu. Et j'adore sa voix. Le pauvre, il a dû tellement souffrir. Avant que Enma nous retrouve. Enma. Avant que Enma nous trouve. Je suppose que c'est le grand démon. Oh yo! Tu veux faire une pause quand on presse? Et puis je suis. Yo? Je n'ai pas su faire ce poisson globe moi-même, son poison m'a assommé. C'est mon fils Yasuo Ashi qui m'attriste. Il a osé bâcler un funérailles, du coup j'ai atterri directement en enfer. Oh! Oh, coucou toi, ça va? Shikami. Le magistrat de Narukami. Je suis de passage. Bien fait. Oh! Kongiku, maître, tu es sain et sauf. Je t'amène à la sortie. Ok. Il faut éviter le gardien de l'enfer. Oh, bon, j'en ai cassé la gueule à un, donc. Je sais pas si c'est très. Rikudo Katsugi, racho chouette. Mais on va improviser. Je trouve un super plan. Si mon Ben, l'énergie divine. L'énergie divine. YOLO. Montre-moi le chemin. Allez. Très bien. Et bien après être allé en enfer, on va aller au paradis. Tout va très très bien. Putain, le truc de sauvegarde il est loin. Putain, l'épisode il est long du coup. Vu que j'ai un peu badé la sache. Alors ça normalement je sais que avec un seul truc comme ça on peut tous les one shot. Mais comme je suis trop long d'esprit, eh ben j'y ai pas du tout one shot. Du coup est-ce que je peux forger de nouveaux sabres? Forger. Ah j'ai obtenu celui-là, le Onikili. Enfin je le forge. Pas ces dames, arg. Pas ces dames, arg. XP augmenté, lui. Alors, du coup. Waouh, j'ai vraiment fait des sacrés sabres, hein, celui-là. Donc là, 229. Ok. Très bien, très bien. Donc là, faut que j'aille tout en haut.
Alors, Antai, Anneau et Orbe Solaire. Ah oui, Orbe Solaire, normal. Faudra que je voie à peu près qu'est-ce que quels font chaque sabre. Faut que j'aille à Ig. Oh, attendez, ah parfait. Hop. Bientôt niveau 33. Il y a une zone même pas explorée encore. Quoi, des armes ici? What? Ah, c'était juste un puits avec des âmes. Ok. Je trouve que genre j'allais re-atterrir en enfer, genre. Comme si une fois n'était pas suffisant. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Kangeku? C'est trop pour moi. Faut-il vraiment aller là-bas? Kinimaru. Ok, en fait, le mec est juste assoiffé de pouvoir, quoi. Le mec, ah, je veux des pouvoirs. Bref, j'espère que cet épisode de Muramasa The Demon Blade vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis ciao les gens.